Après avoir effectué des recherches dans la zone, nous avons appris que malheureusement, l'avion s'est écrasé sur le mont Dena, à plusieurs kilomètres de la ville de Yasuj, située près du village de Bidé. Nos chers passagers ont perdu la vie. L'avion transportait 60 passagers, dont 59 adultes et un enfant, ainsi qu'un pilote, un copilote, deux hôtesses de l'air et deux air marshals. Le numéro de vol était 3704. J'ai essayé de les appeler toute la matinée, mais ils ne m'ont pas répondu. J'ai donc appelé mon frère et il m'a dit qu'il viendra ici. L'avion n'était pas encore en retard. Je lui ai dit qu'il pleuvait ici, il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Il a appelé plus tard pour me dire que l'avion s'était écrasé. L'avion bimoteur à turbopropulseur de la compagnie Asseman Airlines a quitté l'aéroport de Téhéran tôt dimanche matin. L'appareil a disparu des radars 50 minutes après le décollage et s'est écrasé dans une zone de montagne à environ 200 km de sa destination, Yasuj. 20 équipes de secours ont été dépêchées sur les lieux du drame.